Radio Hervé, bonjour. Avec aujourd'hui des petits poèmes choisis non pas de René Vivien, mais des autres poètes, à savoir ici Marceline Desbordes-Valmore. Les roses de Saadi. J'ai voulu ce matin te rapporter des roses, mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir. Les nœuds ont éclaté. Les roses envolées dans le vent, à la mer, s'en sont toutes allées. Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir. La vague en a paru rouge et comme enflammée. Ce soir, ma robe encore en est tout embaumée. Respires-en sur moi l'odorant souvenir. Alphonse de Lamartine, La vigne et la maison. Efface ce séjour, ô Dieu, de ma paupière, ou rends-le-moi semblable à celui d'autrefois, quand la maison vibrait comme un grand cœur de pierre, de tous ces cœurs joyeux qui battaient sous ses toits. À l'heure où la rosée au soleil s'évapore, tous ces volets fermés s'ouvraient à sa chaleur, pour y laisser entrer, avec la tiède aurore, les nocturnes parfums de nos vignes en fleurs. On eût dit que ces murs respiraient comme un être, des pampres réjouis, la jeune exhalaison. La vie apparaissait rose à chaque fenêtre, sous les beaux traits d'enfants nichés dans la maison. Leurs blonds cheveux éparses au vent de la montagne, les filles, se passant leurs deux mains sur les yeux, jetaient des cris de joie à l'écho des montagnes, où sur leurs seins naissants croissaient. Où sur leur sein naissant croisaient leurs doigts pieux. La mère, de sa couche, à ses doux bruits levés, sur ses fronts inégaux se penchait tour à tour, comme la poule heureuse assemble sa couvée, leur apprenant les mots qui bénissent le jour. Moins de balbutiements sortent du nid sonore, quand, au rayon d'été qui vient la réveiller, l'hirondelle, au plafond qui les abrite encore, à ses petits sans plumes apprend à gazouiller. Et le bruit du foyer que l'aube fait renaître, les pas des serviteurs sur les degrés des bois, les aboiements du chien qui voit sortir son maître, le mendiant plaintif qui fait pleurer sa voix, montaient avec le jour. Et dans les intervalles, sous des doigts de 15 ans répétant leurs leçons, les claviers résonnaient ainsi que des cigales qui font tinter l'oreille au temps de la moisson. Puis, ces bruits d'année en année baissèrent d'une vie, hélas, et d'une voix. Une fenêtre en deuil, à l'ombre condamnée, se ferma sous le bord des toits. Printemps après printemps, de belles fiancées suivirent de chers ravisseurs, et par la mer, en pleurs, sur le seuil embrassé, partirent en baisant leurs sœurs. Puis sortit un matin pour le champ où l'on pleure le cercueil tardif de l'aïeul, puis un autre, et puis deux, et puis dans la demeure, un vieillard morne resta seul. Puis la maison glissa sur la pente rapide où le temps entasse les jours, puis la porte à jamais se ferma sur le vide, et l'ortie envahit les cours. Milly ou la terre natale, fragment. Pourquoi le prononcer ce nom de la patrie? Dans son brillant exil, mon cœur en a frémi. Il résonne de loin dans mon âme attendrie, comme les pas connus ou la voix d'un ami. Montagne que voilait le brouillard de l'automne, vallon que tapissait le givre du matin, saule dont l'émondeur effeuillait la couronne, vieille tour que le soir dorait dans le lointain, murs noircis par les ans, coteaux, sentiers rapides, fontaines où les pasteurs accroupis tour à tour attendaient goutte à goutte une eau rare et limpide, et leur urne à la main s'entretenait du jour, chaumière où du foyer étincelait la flamme, toi que le pèlerin aimait avoir fumé, objet, 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 j'arrive pas à dire objet, objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme? Et la force d'aimer.
Et oui, c'est du live. Hein. Moi, j'ai coutume de dire ce sont des brouillons, ce sont des petites lectures. On peut pas réussir à tous les coups, hein, évidemment. Hein. Et en plus, là, ce sont des lectures, des poésies que je ne connais pas forcément. Là, en l'occurrence, je découvre. Millet, je connaissais pas du tout. Celle d'avant, La vigne à la maison, pas du tout, pas davantage. Ce sont vraiment des poésies que je découvre. L'automne, par exemple. L'automne, toujours de Lamartine. Salut, ça c'est ceux qui aiment, celles et ceux qui aiment la nature. Et après je vais les manger parce que j'ai la voix fatiguée, j'ai besoin d'aller manger. Salut, bois couronné d'un reste de verdure. Feuillage jaunissant sur les gazons épars. Salut, dernier beau jour. Le deuil de la nature convient à la douleur et plaît à mes regards. Je suis d'un pas rêveur, le sentier solitaire. J'aime à revoir encore pour la dernière fois ce soleil pâlissant dont la faible lumière perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois. Oui, dans ces jours d'automne où la nature expire, à ces regards voilés je trouve plus d'attrait. C'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sourire des lèvres que la mort va fermer pour jamais. Ainsi, prêt à quitter l'horizon de la vie, pleurant de mes longs jours l'espoir évanoui, je me retourne encore. Et d'un regard d'envie, je contemple ces biens dont je n'ai pas joui. Terre, soleil, vallon, belle et douce nature, je vous dois une larme au bord de mon tombeau. L'air est si parfumé, la lumière est si pure. Au regard d'un mourant, le soleil est si beau. Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie ce calice mêlé de nectar et de fiel. Au fond de cette coupe où je buvais la vie, peut-être restait-il une goutte de miel. Peut-être l'avenir me gardait-il encore un retour de bonheur dont l'espoir est perdu. Peut-être dans la foule, une âme que j'ignore aurait compris mon âme et m'aurait répondu. La fleur tombe en livrant ses parfums aux zéphyrs. À la vie, au soleil, ce sont là ses adieux. Moi, je meurs. Et mon âme, au moment qu'elle expire, s'exhale comme un son triste et mélodieux. Voilà. Ce sont vraiment des petites poésies tristes, mais enfin, ça fait partie de la vie, hein. La gaieté, la joie, tout ça s'est mêlé. Et ça apporte, de toute manière, malgré tout, un certain bien-être de parler de la nature sur Cham Radio.